écoutez, découvrez, soyez curieux. Rockin' Foley, Independent Rock Radio. Hello, hello, ça y est, c'est la rentrée pour Projet Rock sur Rock en Folie. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On repart donc pour une nouvelle saison. Il y a encore pas mal de groupes à découvrir. Pour cette rentrée, j'ai décidé de faire évoluer la chronique en passant les 4 morceaux entièrement et non plus 2 seulement, comme c'était le cas avant. Et c'est à Paris que ça se passe pour cette première avec un style que j'aime particulièrement puisqu'ils font du stoner. Et un stoner qui va vous faire voyager loin, mais très très loin. Allez, vous ne pouvez pas plus attendre, voici Pellegrine et on commence avec un premier titre, Madrasa. My heart flees to Madrasa.
Rock en folie. Discover new rock horizons. La radio découverte. Voilà un trio parisien qui va pouvoir prolonger vos vacances. Parce que Pellegrine, qui veut dire pèlerin en vieux français, et qui s'est formé en 2016, outre le fait qu'ils sont séparés de plusieurs centaines de kilomètres, nous emmène dans des contrées désertiques de l'Orient. Si le désert rock vous emmène en général dans le désert californien, Pellegrine vous emmène donc dans d'autres déserts, tout aussi chauds et aux mélodies psychées typées orientales, et des touches progressives qui donnent un accent parfois Pink Floydien, si je puis dire. Voyage au cœur du désert, mais aussi en soi-même, Pellegrine ne cherche pas à nous hypnotiser par ses mélodies psychées, non. Car si elles sont évidemment très présentes et très efficaces, leur musique évolue de mélodies lancinantes, envoûtantes, en riffs bien charpentés, comme ils le disent eux-mêmes. De la froideur des nuits sahariennes aux chaleurs implacables, sans oublier les tempêtes de sable, le désert réserve pas mal de surprises et Pellegrine le traduit parfaitement en musique. Le trio avait le désir de vouloir faire la musique qu'il voulait entendre. Eh bien, je dois avouer que leur style me va parfaitement, car tout est vraiment excellent. Pour du do-it-yourself, c'est du haut niveau. Parce que oui, autant le premier album sorti en 2019 que le second sorti en début de cette année, tout a été fait par eux-mêmes. Bon, je dis album, et si c'est vrai que le premier ne fait que 5 titres, il y en a quand même pour plus de 40 minutes d'écoute, et le second, il y a 6 titres, il y en a un peu moins de 40 minutes cette fois, de quoi faire de beaux voyages hein, quand même. We'll be right back.
Voilà encore un excellent titre, c'était Reach for the Sun. Pendant ces 8 années où ils ont cherché leur style, composé, essayé, jeté, recommencé pour enfin trouver leur place, ils n'ont pas fait du tout de scène, focalisant avant tout dans la compo, ils vont en ce mois de septembre se confronter pour la première fois à un public qui, je n'en doute pas une seule seconde, se laissera emporter par leur mélodie. Pour l'instant, une seule date est connue, ce sera le 15 septembre prochain à Paris avec l'Asso Below the Sun. Je n'ai pas plus d'infos pour le moment, mais si vous les suivez sur leurs réseaux sociaux, ils ne manqueront pas de communiquer plus précisément à ce sujet. Je vous mets un nouveau titre, voici Thunderstorm. Thank you.
Et voilà, on en termine avec Pellegrine. Une sacrée belle surprise qui, j'espère, vous aura plu. Vous pouvez retrouver leur discographie sur leur Bandcamp et sur les différentes plateformes de streaming classiques. Et si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous les trouverez sous l'identifiant Pellegrine Music. P-E-L-E-G-R-I-N-M-U-S-I-C. Pour Instagram, bah c'est exactement la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Projoty Rock, sachez que c'est tous les jeudis à 19h sur Rock en Folie, mais que c'est aussi une chaîne YouTube où vous pouvez découvrir plus de 450 groupes. Parmi les styles, il y a du stoner, évidemment, mais aussi du rock dans tous les styles qu'on peut imaginer, du metal ou du punk. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc faites-vous plaisir et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir tout ce que peut produire la scène française. Cette chaîne est faite pour vous. Il va être temps de se quitter. Pour une première, on a quand même du lourd. Hein. Et je peux déjà vous dire qu'il y en aura d'autres. On a vraiment une scène française de très très grande qualité. Et ce n'est pas Pellegrine qui va nous faire dire le contraire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau groupe. En attendant, je vais vous passer un dernier titre. Et on va se quitter donc avec Forsaken Land. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis donc à jeudi prochain. Ciao! As I crawl on the ocean sand, every land got forsaken land, shed of blood.